Téléphone, Janine, juste des secondes, s'il vous plaît. Bonjour, je viens au sujet de monsieur Fatah Belabès. Je voudrais le voir, s'il vous plaît. Là, ça, je m'en occupe. Pas ici, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Vous avez une pièce d'identité? Oui. Vous connaissez depuis longtemps ce Fatah Belabès? Oui. Enfin, non. Oui ou non? Écoutez, c'est vous qui m'avez appelé, vous m'avez demandé de venir ici, je suis venu, j'ai fait plus de 100 km, pourtant je vous assure, j'avais pas mal de choses à faire. Hein. Parce que vous croyez qu'on n'a pas autre chose à faire, nous, ici? Bon, d'abord, pourquoi est-ce que vous le retenez ici, je peux savoir? Il a été arrêté à la manifestation d'hier, il est accusé de dégradation de biens publics, ça vous suffit comme explication? Cette histoire, c'est pas possible, il est même pas d'ici, il vient d'Algérie à pied, il va au salon de l'agriculture, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Oui, enfin, ça l'a pas empêché de saccager la sous-préfecture. C'est n'importe quoi, mais vous êtes pas sérieux, là? Bon, écoutez, ça commence à bien faire, allez vous asseoir, on vous appellera. Non, je ne bouge pas d'ici, je veux voir le commissaire, monsieur. Bon. Allez vous asseoir. Ah, mais lâchez-moi, vous êtes vraiment abruti, monsieur. Pardon? Non, lâchez-moi. Oh, non, je connais des gens très... Ça tombe bien, moi aussi. Bon, on a vos papiers, vous pouvez sortir. Allez, allez. Oui, vous aussi, allez, allez, allez. Merci. Oui. Vous êtes bien aimable. Oui, allez, allez.